Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Ici Grégoire Margoton, je suis ravi de retrouver Darren Tulette pour commenter cette rencontre. Hello Grégoire, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Va-t-il en profiter? Le FC Barcelone va frapper le corner. Oui, bonne intervention de la défense. C'est bien donné. Jordi Alba en retrait. Juste au-dessus de la transversale. C'était un tir plus que correct, ça méritait sans doute un meilleur sort. C'est vrai qu'ils ont laissé filer quelques occasions en route, mais il faut reconnaître qu'ils montrent beaucoup d'envie sur le terrain. Je pense que ça va le réussir tout autour. N'attendez pas forcément une ouverture du score dans ce sens-là, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match, ça peut évoluer. Piqué, la relance, côté droit. Iniesta. Oh, Luis Suarez. Oh, voici Neymar. Il choisit la profondeur. Quel timing dans l'interception. Rakitic. Le bon dribble. Il a tenté, bien joué. Régulière, il est battu, joli tacle. Ah!
bien dosé. Garay, il a de l'espace. Il peut y aller. Et l'arrêt, magnifique. Oh, qu'il est important cet arrêt. Luis Suarez. Messi. Il faut faire les bons choix. Il joue dans l'espace. Et il prend sa chance. Un ballon intéressant. La passe est précise. Et un bon centre dans la surface. Bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière. Ah, c'est un mauvais centre, ça ne pose aucun problème à la défense. Quelle cloche! Rakitic. Oh, Luis Suarez. Iniesta. Amorim. Long ballon dans le sens du jeu. Bonne course, côté droit. Il joue en profondeur. Il est à distance de tir. Ils ont fait mieux que résister jusqu'ici, mais tiendront-ils tout le match? That is the question. 3 buts en première période, mais ils sont menés 2-1.
Et c'est reparti. Sergio Roberto. Sergio Busquets. Messi. Jolie accélération sur l'aile droite. Il file au but. Oh, la grosse occasion. Dangereux poussé pour le moment. Ah, qui cherche la faille. Pour trouver la faille dans la défense. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Iniesta. Rakitic. Messi. Qui écarte le jeu. Iniesta. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Sergio Roberto. Messi. C'est bien ce qu'il fait là. Le bon dribble. Un long ballon vers l'avant. Garay qui a offert cette passe décisive. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Messi, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Il glisse le ballon en profondeur. Il décide d'allonger le jeu. Il choisit la profondeur. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Messi. Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. Ils ne veulent pas commettre la même erreur. À mon avis, ils vont le garder à l'œil jusqu'à la fin du match. Il écarte le jeu. Centre à ras de terre. Un centre dans l'axe pour personne. Là-haut. Messi. Il a pressé le jeu, la sécurité.
Voici un corner qui pourrait tout changer. Oh, voici Sergio Roberto. Il a mis le ballon en retrait. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Un petit but d'écart à l'arrivée, mais on ne s'est pas ennuyé une seule seconde dans cette rencontre. Le football permet de vivre de belles émotions et ce match en est une preuve évidente. Et bien, on commence.